c'est un jour un peu historique puisqu'effectivement on fête le premier PPP dans le sport. Et tout ça je le dois aux autorités, la wilaya, la collectivité, le président de la commune, la région. C'est toute une ville aujourd'hui qui se veut être sportive. Oujda a vraiment des talents et historique. Ce parc, il a une particularité, c'est l'ancienne gare de Oujda. Et aujourd'hui, ce PPP qui se met en place, ce partenariat privé-public, il a une autre forme. Il est non seulement social, inclusif, mais on a montré, démontré qu'aujourd'hui, on est capable de transformer une ancienne gare et de le mettre au service de la ville en créant ce qu'on appelle un lieu de vie. Mais ouvrir un parc ne suffit plus, on est en 2022, il faut des activités sportives, il faut de l'animation et c'est pour ça que le parc aujourd'hui, sa vocation, c'est le sport, la culture et les loisirs. Un restaurant de 1000 places, un cinéma 3D, un parc pour enfants, les fondamentaux du groupe City Club Nation Sportive avec ses fitness, ses espaces 100% réservés aux femmes, mais notamment, et c'est la grande nouveauté, une large part au basketball et au fighting. Il faut savoir que sur Oujda, en tout cas sur les réseaux sociaux, fort de notre page de 1 million de fans, on a découvert que 19 000 clics demandaient l'arrivée de City Club ici à Oujda. Donc aujourd'hui, on est ravis d'être là au service des Oujdis. Les Oujdis nous ont accueillis à bras ouverts et aujourd'hui, on va essayer de bien leur rendre en proposant une prestation non seulement de qualité, des coachs de qualité, mais surtout des animations tout au long de l'année en faisant vivre un parc. Cette gare est la première gare du Maroc en 1912. Vous verrez les photos et c'est pour ça que cette coïncidence avec le premier PPP, cette transformation, cette alliance du privé avec le public, aujourd'hui, moi, me ravit. En tout cas, comme je l'ai dit, j'ai 52 ans, c'est certainement mon challenge le plus noble, certainement mon dernier puisque j'en suis à 32 ans d'activité dans le fitness, mais être au service de la régionalisation, être au service des directives de Sa Majesté est quelque chose qui me porte à cœur. Voilà. Ok, juste une description pour ce qu'il y a ici. Donc aujourd'hui, vous avez un parc de 55 000 mètres, avec des jeux pour enfants. En fait, on peut y venir en famille et trouver tout un tas d'activités à faire en famille, voire même se restaurer. Donc, on a une école de football, une école de basketball, une école de fighting avec des cours de taekwondo, de MMA, de boxe. Et nous avons nos trois fitness, l'espace 100% réservé aux femmes, avec un fitness de 2500 m², une piscine de 25 mètres, et bientôt même une autre piscine extérieure. Globalement, tout ça va se faire autour d'un axe de restauration qui comprendra environ 1000 couverts, un restaurant grillade, puisqu'on sait que les Oujdis sortent souvent à la sortie de la ville pour aller se restaurer en famille au milieu de parcs ludiques et aqualudiques. Donc on a voulu retranscrire, on avait fait une très grosse étude pour savoir effectivement qu'est-ce qui pouvait satisfaire la population de Oujda, et aujourd'hui on a répondu.